歴史は彼らを置き去りにしたけれど、私たちは知っている。僕たちはここだ。Ok, c'est je suis conflicté. La fin était, enfin la toute fin là était très jolie et chouette, et j'ai bien aimé. Mais je suis quand même très confus sur tout ce qui s'est passé dans la fin du jeu. Là, j'ai rien compris en vrai. J'ai peur d'avoir fait les bons choix du premier coup en fait. Enfin, les choix qui mènent à la vraie fin du premier coup. Et du coup, j'ai rien compris. Genre, pourquoi Rem, elle est devenue ultra forte et elle est venue se battre contre Makina? Pourquoi... Bon, Makina, on a compris. Quel est le rôle de la prof, là? Qu'est-ce qui s'est passé au sommet de la tour? Est-ce que je suis mort? Est-ce que j'ai réussi le truc? Est-ce que j'ai raté le truc? Est-ce que si j'étais mort au début des épreuves, ça aurait fait la même chose? Est-ce que... Enfin, il y a tellement de choses que j'ai pas compris. Je sais même pas qui est... On est devenu Agito, du coup, ou pas? Bref, je suis très confus. Salut, Oxido. Ouais, c'est cool, l'audio de King. Ça fait que j'ai plus besoin d'attendre que les musiques se calment, ou ce genre de truc, pour pouvoir parler. Et donc, je perds moins souvent mes remarques. Et oui, du coup, c'est fini, ça a l'air fini. Non, ça a l'air quand même bien fini. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit fini, en fait. Je m'attendais à ce que... Mais je pense qu'en fait, il y a eu un moment où on m'a donné un choix, et j'ai fait un certain choix. Et je crois que j'ai fait le bon choix du premier coup, en fait. Ce qui me contrarie beaucoup, parce que j'ai l'impression d'avoir raté plein d'explications, et je comprends absolument rien à ce qui s'est passé à la fin. Ce qui est un peu dommage. Donc, je pense que je vais charger ma partie et essayer 2-3 trucs quand même avant d'arrêter vraiment... Avant de me sentir satisfait. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas normal ce qui s'est passé. Hein. Après, ce sera le 13, ouais. Et je compte faire 1-2-3 parce que... Je me suis longtemps posé la question, mais enfin, ça aurait été vraiment bizarre de faire 3-2-1. Donc pour les jeux qui se suivent vraiment directement, je les fais dans l'ordre scénaristique. Bon, en tout cas, musicalement, la fin était trop bien. Le combat contre Cid et le... Et le générique avec la chanson que Ace chante plusieurs fois, mais en mode full, quoi. C'était chouette. Pareil, là on voit le professeur à droite, mais le coup des trois, enfin des quatre anciens champions qui sont devenus... Il y en a un, c'est le commandant. Enfin, il y en a un qui les a trahis. Et du coup, on s'est... Enfin, bref, on a pris 2-3 trucs sur eux, mais on n'a jamais eu le fin mot, quoi. C'est un peu bizarre. Non, c'est pas très reverse marathon. Mais bon. Je suis pas une. Tricherie près.
Bon, sinon, aucun rapport, mais le gouvernement vient de lâcher le 49-3. Officiellement. Donc, je vous invite à aller cramer vos mairies et tous les bâtiments. Non, j'ai pas le droit de dire ça, je crois. Bon, je vous invite à manifester votre mécontentement. De manière citoyenne. Et civique. Et Et de tout casser. Sérieux, un livre d'or pour la... Nice. Je sais pas si ça se trouve, il y en a un dans ma mairie aussi, il faut que je me renseigne. C'est tellement longtemps que je suis pas allé à la mairie. Il est trop bien ce thème. Le pire, c'est que je me dis que ça fait tellement de temps qu'ils tirent sur la corde que on peut faire quoi de plus en fait. Ils viennent d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes. C'est surréaliste en fait ce qui se passe. Et ça fait des mois que c'est surréaliste. Mais je sais pas en fait. On n'a aucun moyen de. On n'a aucun levier en fait. À part tout cramer. Ah mais ça pue la merde comme, comme fin. En même temps les cristaux ils voulaient tout le temps faire la guerre donc... Ah. C'est qui le jeune homme ? Bienfait de la nature. Ah oui d'accord, le mec est devenu le roi. Il s'appelait Emmanuel Macron. Az Machina. Ah bah c'est littéralement Macron, c'est le mec le plus chiant de tout le jeu. Ah, super. Super la fin. JPP. Ok, bon, bah, c'est officiellement la fin du coup. Je peux pas tergiverser. Je trouve ça quand même super étonnant parce que. Parce que dans l'intro du jeu, il parlait d'une boucle. Je pense vraiment que c'est le choix de devenir un LC ou rester humain en fait. Si j'avais choisi de devenir LC, ça m'aurait sûrement ramené en arrière dans le temps. Je sais pas, je suis très confus. Ouais mais alors attends, je sauvegarde où là? Je vais faire un autre fichier encore. Ok, donc si je charge ma partie finie, ça fait quoi? Ouais, en plus dans le truc, c'est marqué partie terminée 1. Ah oui, donc c'est un New Game Plus. Donc ça, non. Arrêtez de forcer avec vos niveaux trop élevés, là. Non mais par contre, on va pas re-regarder tout, hein. Je veux voir ce que le New Game Plus apporte. Merde, j'aurais dû mettre non. Ah oui, on est toujours au niveau 50. Donc on garde les niveaux, ok.
On garde les niveaux, on garde les objets, j'ai l'impression. Oui, bah oui, j'ai le cristal machina. C'est logique en fait, parce que si tu veux tous les cristaux du jeu, il faut forcément celui de machina et Drem. Oui, attends, du coup, maintenant, peut-être que je vais comprendre ce qui se passe. Là, en fait, on est à l'académie. Bah non. Si, ça ressemble un peu, je sais pas. Je suis encore perdu. J'avais raté cette scène, non? À l'époque. Ah si, c'est ça le truc dont il disait que... qu'on avait vu l'Eidolon maudit, interdit, je sais pas quoi. J'avais complètement oublié ça. Je sais plus si on doit mourir ou attendre. Non, mais en vrai, j'ai pas envie de faire un New Game Plus en fait. Même si je devrais. Par contre, ce que j'aimerais bien voir. Ça, c'est quand? Je sais plus quand est-ce que j'ai sauvegardé. Oui, donc ça c'est avant... Ah non, c'est avant ça. Merde, j'ai pas re-sauvegardé après. Oui, ça donc c'est après avoir perdu. Merde, mais du coup j'ai pas re-sauvegardé après le... Je trouve bête. En fait il faudrait que je reprenne ici. Et que je refasse toute la... tout le début de la mission jusqu'au choix. Et que je fasse l'autre choix. Parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Du coup je vais relancer le chrono. Quelle heure il est? Ouais, ça va. Je vais relancer le chrono. Et je vais faire comme si j'avais pas vu la fin. En vrai, il faudrait quand même que je fasse un New Game Plus, mais je le ferai peut-être hors stream, parce qu'on s'en fout un peu, non? Et que j'aille jusqu'à Academia pour que je puisse accéder aux archives et voir les trucs que j'ai débloqués. Mais après, le... Les scènes genre nouvelle réalité, machin, c'est peut-être juste les endings, en fait. Je me souviens même plus ce qui se passe. Ah oui, il faut faire deux groupes. Oui, c'est bon, tais-toi.
Non, vraiment, c'est frustrant de... J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs de l'histoire que j'ai manqué. Putain, faut que je refasse toutes les premières épreuves. Parce que c'était au premier moment où ils se réunissent que... Finis tes phrases, que j'ai eu le choix à faire. Ouais, allez, dépêche-toi. Bon, du coup, je regarde ces deux trucs. Après, je pense que j'arrêterai. Pour une fois, j'arrête un peu plus tôt. Et comme ça, je mange et j'essaie de streamer dans la soirée si je peux. Passer avec votre personnage. Je comprends pas ce que ça veut dire, ça, en fait. Avec votre personnage. Survivre jusqu'à la fin du temps. Ouais. Ah, ça veut dire si les autres meurent, c'est pas grave. Mais du coup, dans le cas de l'ascension de la tour, là, il s'est passé quoi, en fait? Peut-être qu'en fait, le fait d'arriver en haut, ça nous tue, c'est tout. Et du coup, tout était normal. Le laisser. Non mais. J'aime bien son arme. C'est une arme de Bloodborne. Enfin non, c'est une arme de Bleach. Mais aussi de Je crois qu'il y en a une qui ressemble à ça dans Bloodborne. Autre que la canne. Ouais, waouh. Il a volé. Canne fouet, meilleure arme. Des étoiles bleues par rapport aux autres. Oula. D'accord, ils les ont tués. On se fait chier quand même. C'est encore plus long quand tu refais un truc que t'as déjà fait. Ah non, il y a le truc des esquives. J'ai encore galéré. Ça a pas du tout marché. Ah, je crois que j'avais pas fait de roulade. Je sais plus. Ah bon, ça s'est fait.
On paraît que cette fois je vais jamais y arriver. Ça marche pas du tout. Ça c'est bon. Hop hop hop, gauche droite, gauche droite, gauche droite. Yes. Easy. Ouais ouais ouais, Biako machin. Ok, maintenant il faut que les autres rejoignent et on est bon. Ah oui, c'est le truc des flammes là, je crois. Je sais pas pourquoi, mais Cinabre, quand je le vois apparaître, je lis un autre mot et c'est un peu bizarre. Je sais, mais j'attends de pouvoir les viser en fait. Voilà. Pas le bon bail de me battre ici. C'est assez flippant en vrai, avancer comme ça tout doucement vers... vers nous. C'est bon, hein? Non. C'est quoi? Je crois que j'en ai oublié une. Non. Ah non. C'est vraiment le pire ennemi lui, hein. Tu le tues et il met 8... Déjà il fait une attaque en mourant et en plus il met 3 plombes à la faire quoi. Alors normalement c'est là qu'il y a le choix à faire. On va voir ce que ça fait quand je fais l'autre choix. Alors, est-ce que mon pif était voilà, chapitre de l'ombre. Ah oui, donc là ça a l'air d'être la mauvaise fin, je pense. Bah je le sais forcément vu que l'autre avait l'air d'être la bonne fin. C'est stylé, du coup il y a une fin alternative. Et ça marche comment? Ah, on retourne à l'académie. Cette fois, on a le pouvoir de tuer tout le monde, déjà.
On défonce tout le monde. Merde, y'a un mec qui est mort. Mais quoi? Pourquoi tout le monde hurle là? Ah, en fait, on est en train de les tuer eux? Je comprends jamais rien dans ce jeu. Ouah! Ah, ouais, on est sur la world map. Je peux pas attaquer. Faut que je les esquive. C'est une blague. C'est genre Sora contre les 1100 cœurs, mais il y en a vraiment 1000 là. Je suis pas très chaud à l'idée de faire tous les combats là. Mais calme-toi. Oh là là. Qu'il est chiant. Ah oui, non, d'accord, c'est des vagues à chaque fois. Faut qu'on avance vers. Vers je sais pas quoi. Je vois le coup venir, mais je mets 8 ans à réagir. On rigole, mais tout le monde creve. Tout le monde crève. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oh, mais c'est méga relou. J'ai un vaisseau en plus, pourquoi on vole pas? Franchement, si vous voulez faire un chapitre optionnel, mettez juste une cutscene. En plus, je me déconcentre et je fais n'importe quoi. C'est vachement le moment de passer un niveau. Mais... Non, c'est abusé là. Je suis censé avancer ou je suis censé attendre et faire un autre truc? Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai passé la totalité de ce jeu à ne rien comprendre. De pas avancer. Mais... Je crois que je suis pile à la limite où il pop en fait, du coup c'est infini, c'est trop chiant. J'ai pas vraiment envie de... Je vais me laisser mourir, je pense. Ah, ils sont de plus en plus forts, non? J'avais pas remarqué, mais... Oui, donc on est censé se battre jusqu'à ce qu'on meure en fait. Je suppose. Ok, j'avais pas compris que... Enfin, j'avais pas remarqué qu'ils étaient de plus en plus forts. Mais du coup, tout le délire avec la tour Agito machin, là, c'était n'importe quoi en fait. Il n'y avait pas besoin d'y aller pour pouvoir finir le jeu. Ouais, d'accord. Ils sont de plus en plus forts en fait. Donc, y a pas, à mon avis, il n'y a pas de fin à ça et le but c'est juste de mourir quoi.
La violence. Allez, tout le monde sort. Attends, je joue de la flûte. Nice. Ah ouais, donc là c'est pas un game over normal. Ah ouais, du coup spirale. Genre fin du monde. Et alors du coup, ça nous ramène où ? Mais elle est consciente de toutes les boucles ? Quoi ? Pourquoi on revient là ? What ? Ah. Ah oui, donc c'est quand même un game over. Mais c'est un game over un peu plus scénaristique. Mais du coup... Ah ouais, mais du coup je suis un peu déçu en fait. Moi je m'attendais à ce que le New Game Plus soit vraiment intégré dans le jeu par la mécanique de la boucle en fait. Enfin, c'est le truc idéal pour introduire des trucs de New Game Plus tout en conservant une continuité du scénario, entre guillemets. J'aurais trouvé ça cool. Ok, alors attends, du coup, je peux consulter les archives d'ici. Je vais quand même regarder un peu les archives de ma partie finie. Même si, malheureusement, j'ai pas accès à tout. Vu que, genre, les cristaux de... Makina et Elem, il faut les donner au mec là pour pouvoir les lire. Ça c'est quoi? Prise de la capitale. Moi j'avais déjà vu ça, non? Fin. Ok, je vais pas me regarder ces trucs là. Je sais pas si c'est les trucs qu'on a vus ou si c'est un nouveau truc. Ah non, c'est autre chose. Waouh. Attends, je remets le chrono. Korejo, Kisamara no suki ni wa sasen. Sito wa. Ah. Eh, c'est le mec qui lit les cristaux, ça ? Les cristaux ? Non ? Mais même ça, je comprends rien. C'est comme ça que Cid est devenu le juge ? Ou c'est un truc alternatif ? Tease ? C'est qui tease ? What the fuck ? そして、それが連なる無限の世界。うん、そうだね。聞こえてるよ、あなたたちの声も。大きな瞳で見続けていた青も。
全てを渇望していた黒も神髄に選ばれた赤も大いなる慈悲で全てを与えていた白も届けるよ。だから一つだけ希望を聞いて。 C'est quoi, c'est genre l'origine de la spirale? Je comprends rien à ce jeu. Maza! Ah ouais. うん。珍しいわね。私の前に立つのはいつ以来かしら。よく覚えてませんが、ここ3、4回はお会いしていません。そう。また世界を螺旋の中に戻すつもりですか？そうね。 これで 6億10万4972回目。OK。マザ。Tiens les comptes。ジョーカー。あなたはいつもテスト一緒なのね。あれを見てくれ。C'est l'équivalent de Machina LM de notre spirale, non? そして死んでいった。死の恐怖に直面しながら、彼らだけじゃない。この世界では多くの魂が死を自ら選び生を全うした。クリスタルの思いとともに その全てをお届けします。なんか全部お前たちの魂には無限の可能性がある。留守であることで流れの代わりに皆を守ってくれる。世界の自然界、自然は一つではない。すずくには、さまざまなことに応じるでしょう。僕たちも選んだ。でも、正しかったのかは わからなかったな。クラスゼロ、ここにちりけり。でね。綺麗に散れたのなら、それでいい。俺たち駆け抜けたよな。意外と全力疾走だった。本当はもうちょっと走れたけどな。強がって、最後ヘロヘロだったじゃん。 んなことねえ。超余裕だったって。私たちの先に道はできたのでしょうか。彼らに繋いでもらった道です。私らもちゃんと繋いだと思うよ。そうですね。私たちが繋いだ道です。これからもずっと繋がっていくと思います。マザー。 うん。私らね。俺たち。そう。そうだ。そうだよ。何が？だが。でも。それで？ Sérieux là? Nozomu no ne? Uketotta wa. Nee, saigo ni sukoshi kikasete kureru? Ano ko tachi ga nani o shite kita no ka? Dou yatte saigo o mukaeta no ka? Sore wa 俺らに聞くよりもな。ええ。私たちの代わりに彼らのそばにいた2人に聞いてた。
Peut-être dans aucune du coup. C'est terrible parce que j'arrive vraiment pas à comprendre c'est quoi son rôle à elle, quoi. C'est genre la matérialisation d'une des deux déesses là. Et puis même, je comprends même pas pourquoi le monde est dans une boucle, pourquoi. Enfin, il y a plein de choses, c'est horrible, c'est vraiment horrible. J'aime pas du tout être. Dans la confusion comme ça. Je vais aller lire le wiki pendant 2 heures et puis ça ira mieux, je pense. Mais c'est dommage parce que. Mais d'ailleurs, du coup, ils sont morts ou ils sont pas morts? Parce que c'est bizarre là. Mais ouais, j'aurais préféré que ça soit plus clair dans le jeu, quoi. Et donc, ça, c'est quoi? Oula, ça va être un truc qui se passe dans notre monde? Ouais, c'est Ace. Oh non, ça va être un truc genre délire qui se sont pris entre eux de faire une scène trop stylée, mais qu'en fait on n'aura jamais. Ou alors ils avaient prévu de faire une suite un jour qui n'arrivera jamais, et ça c'était le teaser de la suite, comme dans les caches. What? En plus du coup on a les voix anglais là. Quoi? J'ai pas compris. Comme d'hab. J'ai vraiment rien compris à ce jeu. Suzaku, c'est qui Suzaku? Le nom japonais de l'oiseau vermillon, Phénix gardien du sud. Ouais, mais moi je connais pas, moi, les beaux. C'était un empereur du Japon aussi. Hein. Ah ouais, mais en fait, les quatre animaux, c'est un truc de mythologie, enfin d'astrologie chinoise. Ah ouais, en fait, dans l'astrologie chinoise, il y a un truc qui s'appelle les quatre animaux, ou les quatre pouvoirs. Et c'est littéralement les quatre cristaux, en fait. Il y a le Seiryu, le dragon azur, Genbu, la tortue serpent noir, Byakko, le tigre blanc, et Susaku, l'oiseau vermillon. Bah, je serais un peu moins con. Mais du coup, pourquoi ils mettent un autre générique? C'est trop bizarre.
On le laisse parce que c'est peut-être pas les mêmes noms que si... Enfin, au début, il y a eu les doubleurs anglais qu'on n'avait pas eu, nous. Mais là, je pense que c'est quand même les mêmes noms que tout à l'heure. Eric le dieu de Villa. Incroyable ce nom. Ah, dans FF14, il y a aussi les 4 animaux, apparemment. C'est des primordiaux. Ah ouais, le tigre blanc est associé à la puissance militaire. Donc c'est pas un truc qu'ils ont sorti de nulle part, quoi. Comme souvent dans tous les FF, mais... C'est juste que là, je connaissais pas la référence. Mais du coup, je sais pas s'il y a une signification à ce qu'on a vu là, ou si c'était juste un truc stylé pour se faire plaisir, pour faire une belle cinématique avec du feu et des effets et tout. Parce que le mec ressemblait à Ace quand même. Mais je pense pas que Ace, ce soit... Non mais non, à mon avis, c'est... Le truc s'appelait Une autre réalité, je sais pas quoi là, donc c'est pas... Je pense pas que ça soit lié au scénario. Ouais, c'était peut-être juste un projet, un side project. Comme Agnes Philosophy, la démo technique qu'ils avaient fait pour leur moteur Luminous Engine, je crois, ou un autre, je sais plus. Qui avait l'air trop stylé niveau lore et niveau... Enfin, je sais pas, niveau ambiance, ça avait l'air trop cool. Mais ils ont jamais prévu d'en faire un jeu, donc... Il me manque des pages sur la plupart des personnages. Hein. Je sais pas comment on les débloque, mais... Sûrement en remplissant les objectifs secondaires. Ah oui, il y en a où j'ai carrément que 2 pages. Les idolants, c'est une catastrophe. Hein. J'en ai débloqué aucun. Et les roquettes, ça va quand même. Pas mal, bref. Merde, j'aurais dû... Bon, je mettrais 10 sur le... Enfin, j'arrondirais à 10. De toute façon, là, il y avait du générique et tout, donc on s'en fout. Ok. Et ben, finir. Je pensais pas le finir aujourd'hui, en vrai. Je pensais vraiment qu'on allait repartir dans une boucle. Et que ça allait durer 3 plombes. C'est cool. Bah, comme j'ai dit, je suis très confus et j'ai pas compris grand chose, mais je pense que j'irai voir les wikis qui ont sûrement plein d'infos. Il y a plein d'infos que j'aurais pu avoir si j'avais vraiment tout complété bien comme il faut, mais
toute la partie du jeu, tant que j'avais pas le vaisseau, en fait, j'ai trouvé ça super long et chiant. En fait, fallait faire beaucoup de trajets, était limité en temps et tout. Enfin, c'était pas très. C'était trop restrictif et un peu répétitif aussi. Du coup. C'était chiant. Et après, une fois que j'avais le vaisseau, j'ai fait plein de trucs, mais j'avais presque plus de temps, c'était déjà la fin. Et ensuite, la fin, bah. C'était sympa, mais j'ai rien compris. Donc bon. Prochaine fois, FF13. Je sais pas encore, il faut que je finisse de télécharger 13.2 sur PC pour le tester, pour voir si ça tient le coup. Avec le stream, parce que je sais pas encore si je le fais sur PC, donc en version japonaise sous-titrée. Ou si je le fais comme d'hab sur PS3. Donc en version anglaise sous-titrée. Pour les voix. Donc voilà. Et ce sera peut-être pas demain, du coup, si j'ai pas le temps de tout setup d'ici là. Peut-être que je calerai un jeu entre les deux. Enfin bon, on verra bien.